Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. C'est la cinquième fois que je redémarre Robocraft, enfin qu'on redémarre la recherche de parties. Ce qu'il faut savoir, chers amis aussi, c'est que j'ai fini par faire un Alt F4 sur une partie qui était buggée hein, et que le jeu m'a warn, comme quoi c'est pas bien. Alors que toute la partie était buggée. On attend encore Hunter, voilà c'est bon. Parfait. Donc voilà, j'ai pris ce robot, hein. Il est temps qu'on se venge un petit peu des anti-aériens, enfin des robots aériens, et qu'on puisse tout simplement... Il y a eu un drôle de bruit, mais c'est... Oh bof. On va être 36 000 snipers encore. Hop. Allez, grimpe. Voilà. Bon, par contre, ça commence à faire beaucoup de monde qui me tire dessus sur moi. Bon, tu peux éviter de tirer complètement à l'aveugle en supposant que je sois encore là. Hop. Moi, je veux bien un petit coup de heal. Merci. Un peu plus, ça serait cool. Non? Aïe. Ok. Fâche. Comment ça se fait que j'arrive pas à tirer aussi souvent qu'avant? Mais vous m'aidez ou pas? Wow. Putain, j'espère... Ah, mais me rentre pas dedans! Putain, mais... Et ils ont un don, hein! Non, t'es sérieux là? T'es à 3 km de moi! Mais putain, mais... Oh la gueule! Le machin il est à 3 km de moi, mais ça me touche! Putain, j'aimerais bien que ce soit pareil avec l'air de sniper! Wouah! C'est la fête! Merci le matchmaking! Bien sûr. Pas encore. Putain, ça me saoule. Ah, ça me saoule ces robots. Tout ça pour jouer avec ce genre de conneries de merde là. Ce machin qui ressemble strictement à rien. Bande d'abrutis. Sus ma bite. Sus ma bite. Putain, voilà, puis ça... Oui! Oui, je veux me barrer de cette partie de merde! Oui! Puisque de toute manière, on peut rien faire! On peut pas jouer à ce jeu tranquillement par plaisir, parce qu'il y a aucun plaisir à jouer casse-tête devant moi! Et tu vas me tuer ou tu fais mine de me tuer? Je fais pas de dégâts avec les mitrailleuses. Aïe, nom de Dieu! Et voilà, encore l'autre merde là. Putain de déchet humain! Ta mère suce des bites en enfer, j'en ai ras le bol!
Je fais 3, je mets 10 minutes pour trouver une partie et quand je t'en trouve une, c'est qu'avec des putes comme toi. Ça me saoule. Ça me saoule. Putain. Voilà, tue-moi. 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 Putain, oui. Ok, c'est bon, oui, de toute façon, faut que je me barre maintenant. Mais 10 minutes pour trouver une partie. Putain, mais crève, charogne! À quoi bon avoir un sniper s'il peut pas tuer des gens? Bah oui, parce qu'il peut pas tirer au-dessous de lui. Et qu'il fait 0 de dégâts. Mais allez! Se rendre! Dites pas non! Faut pas être débile non plus! Mais putain! Merci! Oh la gueule! On se fait rouler dessus depuis une demi-heure! Ça vaut pas la peine, non mais ce jeu me m'écœure parfois! Tu mets une demi-heure pour trouver une partie et quand tu tombes sur une partie, tu tombes sur ça! Avec des mecs qui ont des robots qui sont débiles, mais qui marchent! Donc, on va aller voir, on va aller trouver un de ces robots de merde! Parce qu'après tout, nous aussi on a le droit de s'amuser un petit peu à niquer des gens. À pourrir le plaisir des autres. On va aller voir. Allez, file-moi un robot. Ça s'appelle des... Des Tesla? Tesla Blade, hein, c'est ça il me semble, hein, de mémoire. Alors est-ce que ça va être ça? Parce que celui-là, bah voilà, je le sens pas. Bizarrement, merde. Celui-là, bah... Ah, c'est peut-être celui-là qu'on vient de voir, d'ailleurs. Eh bah tiens, j'ai juste ce qu'il faut pour l'acheter. On l'achète, chers amis, et on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé en tout cas celui-là. Je sais qu'il est extrêmement court. Hein. Je sais qu'il dure... Ah putain, il est trop court. On va se faire du mal. On va se faire du mal, chers amis. Je suis censé partir dans 10 minutes. T'as tout pété. Il y a intérêt à ce que la partie soit rapide. Est-ce qu'on en trouve une vite? J'ai quelqu'un qui m'attend à la gare. Est-ce que ta maman suce des bites en enfer, toi aussi? Oui, la tablette, j'ai entendu mon téléphone vibrer la première fois. Oui, une game. Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout du temps de chargement? Nous, oui. Les autres, c'est pas trop trop mal. Oh putain. Il nous en reste 4 à droite. 3 à gauche, 2 à gauche. 1, 2 à droite. Putain de merde! Ah! Nom de Dieu! En fait, c'est limite s'il n'y a pas un commentaire à faire sur le temps de chargement du jeu. C'est parti! Allez! 3, 4, 5, 6! Allez, 6 secondes, c'est bien, bravo! 7, 8, 9, 10, c'est génial! Il y a tout un jeu à commenter en fait dans ce temps de chargement. C'est magique! Pourquoi? Pourquoi même les gens ne veulent pas aller au bout du chargement? Ils veulent pas gagner les parties, mais ils veulent pas aller au bout du chargement non plus. Pourquoi? Pourquoi? Qu'on m'explique. C'est même pas drôle. Cliente as disconnected? T'es sérieux sur Google? Alors.
On va le mettre en français, ça va être mieux. Voilà. Vous avez un site, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je veux expliquer que ce n'est pas parce que la société va mal que la France ne travaille pas assez. C'est parce que la France... Pourquoi Sarkozy ? J'ai mis, c'est à moi que tu parles ! Pourquoi tu me mets du ça ? Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Encore ? Ah bon. Je flingue plus vite que toi. Ah oui, c'était une scène épique à l'époque. Tu me provoques. Alors mec, tu provoques. Tu provoques. Ah tant pis pour le droit d'auteur, hein, je m'en fous hein, si on a. C'est à moi que tu parles. Voilà, putain. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que les parents t'envoient l'autre commune ? C'est quand même un super bon film Taxi Driver. Hein. Bon ! Allons niquer des gens. Oula ! Je sais comment il faut que je le mette celui-là. Écoutez bien, bande de dépravés. Vous avez devant vous un homme qui en a marre. Un homme qui n'en peut. Écoutez bien, bande de dépravés. Putain, ils veulent pas. Voilà l'homme pour qui la coupe est pleine. L'homme qui s'est dressé contre la racaille. Quelqu'un qui a refusé. Allez! Je me suis pas mis en bonbonne de vol! Viens me heal, s'il te plaît. Merci. Tu me vois plus. Tu me vois plus. Hop. Je me suis pas mis dans le bon mode de vol. C'est pas grave. Hop. Allez. Mais putain. Voilà. Par contre, oui, je suis vraiment pas mis dans le bon mode de vol et du coup, il est impilotable. Merde. Quoi? Aïe, mais c'est de la merde! Ah, je me suis chié dessus encore! Mais pourquoi le jeu n'est pas avec la. Ne corrige pas ce problème? Normalement, on devrait. Il devrait. Attendez, c'est rien à coder, hein! C'est dire, voilà, le pilotage doit être comme ça et il est comme ça. Putain, mais. Oh, c'est incroyable! C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je me fais enculer à chaque fois que je fais quelque chose dans le jeu, ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, putain, baisse. Débile. Allez. Putain, mais. Ah, ça me saoule. Si vous saviez. En plus, le pire, c'est que c'est de ma faute. J'aurais dû tester ce putain de robot. Mais le problème, c'est que tu mets tellement de temps à trouver une putain de partie. Oh, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Putain, mais vole correctement, nom de Dieu, arrête de rebondir sur le vide. Il rebondit dans le vide, chers amis. Regardez ça. Putain.
Il rebondit dans le vide. Là par contre, il se crache quand il y a personne. Il rebondit dans le vide. Quand il y a un mec qui lui tire dessus, il se crache en beauté. C'est la fête. J'ai perdu toute envie de vivre. Merci d'avoir abrégé mes souffrances. Ouhou. 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 Ose lever ton cul du sol. Vas-y, qu'on rigole. Et vous allez prendre la tour ou... Putain, c'est quand même pas à moi d'aller la prendre. Il va se mettre devant. Et je me suis coincé dans le mur. Et ce robot est tellement génial. Putain. Il est impilotable surtout comme ça. Ah non, mais il est parfaitement impilotable. Donc non, fuite. Hein. Je peux pas piloter le robot tant que j'ai pas réglé le problème de caméra. C'est génial. Vive ces gens qui créent des robots. Et je suis mort. Non ? Heureusement que j'ai des copains. Heureusement que j'ai des copains. Voilà. Putain, forcément. Putain, bah oui, mais en même temps, t'as vu le robot ce qu'il fait ? C'est débile. C'est débile. Ça me saoule. Si vous saviez à quel point ça me saoule, chers amis, de me faire enculer à sec à chaque fois que je prends un truc. Ah putain, c'est une toute petite ligne de code de dire oui, non, quand tu vas acheter ce robot là, il sera dans ce mode de vie là. Parce que de toute façon, le mode de vue, ça se remarque en 5 secondes en début de game et ça pose de problème à personne. Surtout quand dans l'autre mode de vue, le mode par défaut, il est complètement inutilisable. C'est pas grave. C'est mortel. J'ai des envies de mort en fait. Ça y est, je peux me mouvoir. Hop. Poussez-vous de mon chemin. Hop, j'ai réussi à me reposer plus ou moins tranquillement. Oula, bon ça c'était la fin là, la petite boss là, elle m'a tué. Hop. Hop. Ok. Tu sais que ce sifflement. Hop. Merde, je crois qu'il y avait une ombre en fait. Non. C'est un robot volant. Prenez-la ! Prenez-la ! Il me voit pas.
Hop. Hop, raté. Prenez-la. Pardon, excuse-moi, je t'avais oublié. Hop. Excuse-toi. J'ai tellement mal aux doigts, je vais tellement être en retard aussi, c'est pas grave. J'aurais dû partir il y a 10, mais il y a 5 minutes. Enfin, 8 minutes. 9 maintenant. Oh bah il attend la mort lui. Il a attendu la mort. Il se bat plus. Hop. Je sais exactement où il va. Hop. Et je vais être honnête, finalement je me serais pas plus amusé à cause du... Là j'ai une vieille crampe aux petits doigts en fait là. Parce que je suis toujours en train de crouch en fait hein. Je suis en constante crouch. Oui, victoire. Victoire. Merde, j'ai pas eu le temps de m'approcher. Oui, mais je la vois, regardez, il y a contact, il y a contact, il y a contact, je l'ai pas eu. Il y a contact, on peut voir qu'il y a contact. Dommage, quel dommage. Ok, bon bah finalement je suis le pire de l'équipe. Oh, c'est dire. C'est dire l'équipe de malades qu'on avait. Ok, bon, falloir que je me barre, moi. Parce que si je veux rentrer pour à peu près midi et commencer à faire à peu près une heure de... Ok, vite, 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 vite. Ok, ok. Il y a de l'épée qui tombe. Pourquoi pas. Ok, parfait. Rigolo. Moche, hein, faut reconnaître aussi. Hop. Voilà. Je sais pas ce que c'est que l'inclinaison relative à la caméra. J'irai voir. Les amis, moi je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Je file.